Today we're in Lausanne at the Hospitality Business School, where we're going to find out more about Keto. Keto is a solution about food waste in restaurants. We're also going to ask the innovator what he thinks about the 18th of June referendum on climate and referendum here in Switzerland. So let's go and check it out. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien et vous? Bien, tout va bien. Alors expliquez-nous où est-ce qu'on est déjà? Donc on est à l'école hôtelière de Lausanne, qui est l'endroit où les fondatrices de Keto ont étudié. Et ce qu'on voit derrière, c'est donc une cuisine où l'un de nos appareils est installé pour mesurer le gaspillage alimentaire dans cette cuisine. Donc comment ça marche en termes assez simples? Donc assez simplement, donc là les plateaux des gens sont amenés ici et le personnel va récupérer les assiettes et vider la nourriture dans la poubelle qui va détecter qu'il y a quelque chose qui a été ajouté et ça va déclencher la capture d'une image. Et en termes de bénéfices, qu'est-ce que ça apporte? L'idée c'est que de pouvoir mesurer précisément le gaspillage alimentaire qui est généré dans cette cuisine et donc pouvoir après prendre des actions précises pour réduire ce gaspillage alimentaire en fonction de ce qu'on a observé. Et en termes de statistiques, de chiffres, est-ce que vous pouvez nous donner quelques indices sur quels sont les avantages pour celui qui va l'utiliser? Oui, alors on estime qu'en moyenne on arrive à réduire de 33% le gaspillage alimentaire dans les endroits où on mesure. Et on estime aussi qu'au bout de 6 mois, les clients avec qui on mesure ont un retour sur investissement positif. C'est-à-dire que les économies qu'ils vont faire en gaspillant moins et donc en produisant moins sont supérieures au prix qu'ils nous payent pour la solution. Le 18 juin, on connaîtra le résultat du référendum sur la loi climat et innovation. Selon vous, est-ce qu'un vote positif peut être un signal envoyé au monde de l'innovation suisse, mais aussi quels sont les avantages que ça pourrait avoir directement pour vous en tant que chef innovation? Oui, alors tout à fait, parce que c'est quand même une loi assez ambitieuse qui permet de mettre en avant des solutions innovantes comme celle-là et de déployer à plus large échelle des solutions qui permettent de réduire le gaspillage alimentaire en Suisse et dans le domaine de l'hôtellerie, et ce qui va permettre de réduire les émissions de gaspillage à effet de serre. Donc on doit voter oui, c'est ça? Il faut voter oui, bien sûr, évidemment. Ça marche. So that's it. That was Keto. If you want more information about that solution, you can go on the Solution Explorer on our website, solarimpulse.com. You'll have all the details that you want to know about it. Remember, if you are a Swiss citizen, to vote yes before the 18th of June on the climate law and innovation. And stay tuned for the next episode where the destination will always be a solution. See you later.